La grotte, voilà. Et donc si j'utilise cette clé sur cette porte, qui est là, est-ce que ça va s'ouvrir? Et dans ce, et auquel cas, si ça s'ouvre, tout bénef. Oh, si c'est pas beau, un plan qui se déroule tellement bien. Non. Alors le petit effet de l'engrenage qui tourne. Oh là là, oh là là, oh là là, ça sent tellement le piège. Bah, des squelettes et une momie. Bon bah, ça va. Ah, la momie, je connais très bien ce que ça fait. Bon, j'ai la maladie, c'est pas grave. Au point où j'en suis, j'en ai un peu rien à faire. Par contre, la momie, elle résiste bien. De toute façon, la maladie, ça va se barrer à un moment ou à un autre. Voilà. Alors là, il y a un sarcophage et là, il y a complètement un truc magique. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je sens. Voilà, il y a encore un soldat ici. Normalement, s'il veut bien se charger. Non, personne. D'accord, donc c'est une tombe. Une tombe avec avec un mob là qui va. Oui, un mob qui va sans doute popper dans la seconde. Je vais juste me mettre en repos un instant. Bon, a priori ça ne va pas bien, donc voilà, juste un petit malus de constitution, rien de bien grave. Bonjour, je viole votre tombe. Monsieur? D'accord. Oui, monsieur. Non, bon, d'accord, rien à faire. Très bien. Bon, bah, c'était l'instant profanation. J'espère que tout va bien pour vous. Grosse profanation. Je suis pas fier. Je suis pas peu fier de moi. Ça a été compliqué. Bon, maintenant que cette petite quête annexe a été faite, on va continuer en traversant ce joli pont. Très joli pont de très bonne facture. Ah, le pont tourne. Je n'y étais pas préparé. Par contre, il y a une maison. Ça, n'était pas un man. Un manoir avec un bateau. Ok, non mais ça se tient. Bon, et bah, un manoir. Entrons. Enfin, oui. Bonjour. Allô, quelqu'un? Oh, un ermite. Je peux vous aider? Bonjour. L'enfant de la dame. Ah d'accord, bonjour. La petite vie tranquille me plaît, alors si vous avez... Si vous... Non. Non, bonjour. Pourquoi? Ah, d'accord. Ah. D'accord, bon, très bien. Alors les questions à vous poser. Ah, tu es chiant, tu es qui? Voilà. Vraiment? Vous avez le même?
D'accord, vous êtes au courant, Kelly. D'accord. Artefact magique. Oui. Avez-vous des objets? Bon. Qui est cette dame d'ailleurs? Mister. Ah! Ouais. Ok. Non, bon, d'accord. Oh putain, tu es en train de m'énerver, toi. Ah, ok. Qu'est-ce qu'une boîte de. Une boîte de rechange? Quoi? Oh! Montre-moi ce que t'as à vendre. Ouais, alors fais voir ce que tu. Ouais, c'est pas du super matériel de ouf. En même temps, t'as un ermite. Ouais, t'as pas mal de parchemins et de potions, des objets magiques. Ouais. Bof. Et l'hiver. Oh, des dés. Ah non, c'est des pierres. Ah, oh, c'est cool ça. Putain, il y a plein d'autres objets. Une broche de défense. C'est trop bien. Ouais, c'est un bouclier. Alors, les sacs magiques. Ça, c'est vraiment utile. En plus, c'est des moins 60. Et bon, prenez le moins 500. Bon, bouteille vide, inutile. Enchantement, enchantement. Oh, la pierre de givre. Ah, oh, c'est trop bien. C'est beau. Et un qui. Réaction négative au marchandage. Tu te fous de ma gueule. D'accord. Pierre du tonnerre. Oh, bof. Bon, je vais un peu fouiller ta maison. Non. Parce que, voilà. Ouais, une barre est couverte. Ouais, alors. Y a rien ici. Y a rien du tout, même. Ah, ta maison ça pue, enfin. Ah, c'est ça ton chargeur. Bon. Si j'étais magicien, pourquoi pas. Manque de bol, je ne suis pas. Oh, puis des livres. Oh, qu'est-ce que c'est, livre de recettes de l'alchimiste. La baie des marais est un puissant ingrédient. L'essence de plusieurs baies peuvent servir à fabrication de potions de peau d'écorce. Il suffit d'une bouteille pour conserver le jus de ces baies ou qu'une récoussante d'artisanel. Le fer cristal de quartz c'est également un puissant actif, il est requis. Ouais, bof. Ouais, très bien. Je suis un peu perplexe. Monsieur. Fais voir le chargeur. Chargeur. Oh. Et là, si j'ai. D'accord. C'est de la merde. C'est un peu de la merde. Eh ben, je. Ouais. Mais attends. La haute forêt. Mais j'y suis. Je peux vous aider? Ah, une arme bifiée. Non, 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 non. Ah, tiens. Bon bah. C'est quoi ça? Mais j'en veux pas. Ouais bah du coup je suis allé en bonne zone. J'ai raté un truc. J'ai peut-être raté quelque chose, remarquez. Entrée de la caverne. Bah. Ah y a. Ah bah non, il y a un côté que j'ai pas exploré aussi. Ah ouais, super.
Je me disais merde, j'ai cassé le jeu. Mais en fait non, il y a des côtés que j'ai pas exploré. Et c'est ce côté juste là que j'ai pas exploré à fond. Enfin ce côté là et ce côté là. Ah bah tiens, en parlant de côté, ça monte. Oh, c'est incroyable. Ah oh, bah dis donc, une grotte. Oh, c'est fou, c'est incroyable. Je suis mais estomaqué par un dragonnet. Oh, un dragonnet. Ouais, non, c'est de la merde. Putain, il y en a encore d'autres, et là, ça va se... De quoi? Couvoir de dragon? Dites, vous êtes au courant que je veux pas me battre contre des dragons, là? Le jeu, je veux pas me battre contre un dragon. Tu es gentil, mais c'est... Non, merci. Ah, dans une autre situation, peut-être que... Un gant de ménestrel. Oui, allez, je prends le gant. Il y a un couvoir de dragon, mais qu'est-ce que ça fout là? Ouais. Qu'est-ce qu'un dragon fout là, tout court? C'est ma question première. Là, il y a un cadavre. Il s'en fout de son or. Le... D'accord. Oh, un trésor. Les petits trucs. Oh, un neuf. Ah, oh, je vais en prendre un. Oh, un petit neuf. Je devrais tellement pas. En vrai, je devrais tellement pas prendre l'œuf. Mais c'est beau, un petit œuf. Putain, y a plein de petits trucs. Faut avoir l'œil. D'accord, donc cet endroit, c'est... Ouais, ça sert un peu à rien. J'ai un œuf de dragon. C'est... C'est un début, on va dire. Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se mange les œufs de dragon? Techniquement. Enfin, je veux dire, c'est... Pour parler grossièrement, c'est du blanc et du jaune. Mais de type de... Mais de dragon. Mais... Je sais pas, je me pose la question. Bon, bah... Ok. Donc ce côté là, ah, attends, j'ai pas vu le... Est-ce que le petit côté là, il y a un truc en plus? Ah, attends, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un truc en plus juste en face. J'ai failli ne pas le voir et... Oh, bah ça alors. Et là, par contre, ça a l'air d'être une grotte un petit peu plus... pas hospitalière. Ah, caverne de gnoul. Ah, enfin. On y est enfin. On y est enfin. La caverne. Que je recherchais. Oh, putain, oh, je peux assassiner. Attends. J'assassine. Coup de grâce. Oh, petit coup d'épée dans la nuque. Non, pas de gong, pas de gong. Oh là là, oh, Metal Gear. Ici Snake. Oh là là, ça a l'air d'être compliqué tout ça. Esclavancage. C'est faux. Vous m'avez jamais vu. Regardez. Un cône de feu, s'il te plaît, Xanos. Est-ce que tu peux balancer un cône de feu? Merci. Mais ah, parfait. Ah, teamwork. Teamwork, Xanos. Gros travail. Ouais, occupe-toi d'eux. Moi, je vérifie que tout va bien. Ok, putain, c'est vraiment que de la merde. J'arrive. Oula, mais ils sont bien armés. Oula, mais ils sont drôlement bien armés, même. Ça fait un peu peur. Oh, par contre, il se prend. Non, c'est
c'est fini, arrête. Ah, il s'est mis une peau d'écorce. Ah, mais y'en a. Oh, mais c'est teamwork. C'est là d'où je viens, ouais, c'est là d'où je viens. Oh, teamwork, incroyable. Ah, trop ça piège. Bon, très bien. Là, il y a encore un gong. En fait, les gongs, ça doit être pour ralliement. Là, si j'ouvre, j'ai quoi? Voilà, j'ai les gars. Oh, comment j'aurais fermé la porte, vous mérez, vous le méritez. Non, non, monsieur, monsieur, merci. Voilà. Bonjour. Oh, mais c'est incroyable cet enchaînement. Messieurs, bonjour. Oh là là, mais incroyable ce qui se passe ici. On n'a jamais... Oh, il y a un... Il y a comme un meurtre. Ah, il y a un lieutenant et tout. Ah, je sais pas où, mais là c'est complètement un meurtre. Qu'il se passe. Non, il est derrière moi. Il est derrière moi. Il est derrière moi. Alors, monsieur, vous attendez un instant. Des petits cailloux. Un cadavre et un rat de lui. Oh, de la potence asphyxiante. Ah, je prends quand même. Ouh, une hache d'arme assez classe. Assez classieux. Il y a de l'or dans un râtelier. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ah, monsieur, bonjour. Vous êtes Glandir. Ok, bonjour. C'est vous. Je sais, on se connaît. Y'a pas de baron? Ah, vous te fous pas de ma gueule. Ah, ah, t'es un connard. En vrai dire, j'ai pas d'argent, tout ce que j'ai. Quoi? Oh, j'ai perdu. Oh, j'ai mis un point dans le mauvais. Mince alors, ça doit. Ça va faire baisser mon, mes 30 au moins que j'ai dans le bon. Zut. Bon, allez, je vais voir. Alors, le fait de vite, tu vois, j'aime pas beaucoup. Bon, éthique. Attends, c'est moi, j'ai. Non, j'ai fini la quête, c'est bon, on peut se barrer. Bon, bah. Ouais, Cassos, casse-toi. De toute façon, tu vas peut-être crever. Alors Fiona, la clé. Genre vraiment. Ah, 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 pardon. Voilà. Bien sûr, suis-moi. Alors, la sortie, tu vois. On va à gauche, puis à gauche, et encore à gauche. Jusqu'au trou du cul du monde. Est-ce que tu es là, quoi? Ah, il est là, Glandu. On va l'appeler Glandu, vous savez quoi? Parce que Glandir, Glandu, voilà. Les noms, c'est surfait, vous savez. Voilà, Glandu. Non, pas ici. Ouais, je suis allé dans cette salle. Ou pas, je sais plus. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, Glandu. Glandu. Glandu, casse-toi. Merci. Glandu, ici. Ah, merde, encore là. Voilà, non, Glandu. Ah, mais... Mais c'est pas vrai, ça. Mais vous allez crever. Voilà, ouais. Oh, il y en a encore deux. Bon, vous m'excusez. Monsieur, messieurs, s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Donc, Glandu. La sortie est là-bas.
Oui, c'est la petite quête. Encore qu'en tant que compagnon d'armes, oui, il est bien. Bon, après, j'aurais fidélité. Voilà, 100 points d'XP gratos. Ah là là, oui, je t'ai sauvé. Casse-toi. Fous-moi la paix. Ou bien, va-t'en. Je ne sais pas qui tu es et je m'en fous. Alors, la porte. Bon, bah, c'était pas la bonne. C'est pas la porte. C'est pas cool. C'est pas cool. J'aime pas les portes qui me résistent comme ça. Ça me fait une sorte de fussoir. Un fussoir terrible. C'est terrible, un fussoir. Une hallebarde, une lance. C'est quoi ça? C'est repos. Non, mais je m'en fous du repos. Ça, c'est un livre de sort. À quoi ça me sert? Why the fuck not? Bonjour messieurs dames, je viens pour le génocide. Voilà, un génocide. Bon, tout a été payé, ne vous en faites pas. Vous avez une pièce d'or, c'est radin. Oh, c'est tellement des radins. Bon, bah ok, là il y a une porte. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. C'était un peu inutile cette attaque. Des couloirs. Encore. Non, 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 on va pas aller là en premier. On va pas y aller maintenant surtout. Ah, il y a un truc là-bas. C'est quoi? Enclos des esclaves. Ah. Messieurs, bonjour, je viens parler. Enfin, si. Ouais, non, mais je veux simplement parler. Messieurs, bonjour. Ah, excusez-moi. Non, je pense que ça doit venir de quelqu'un d'autre. Ah, tu te fais attaquer? Non, c'est bon, bah viens. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes. La journée a été longue. Je boirai bien un coup, moi. Ah, vous êtes de sang humain, mais calmez-vous. Nous sommes de Blueberry, enfin plus. Ah, d'accord. Okay. Oui, ça je sais. Allez, cassos. Mensonge, mais non. Ouais, on m'en fout. Okay. Cassez-vous. Cassez-vous. J'ai de l'XP? J'ai même pas de l'XP. Oh. Allez, je vous ôte la. Ah oui. Pardon. Excusez-moi, ça va prendre un peu de temps. Voilà, donc cassez-vous.